êtes en ligne demi-heure. Les tests sont à pied de corne. Salut, station fréquence, c'est les bus sur 1350 à vous tous de la part de Dundee 33 et bonne journée! Pour ce qu'il en est de la circulation sur le pont d'Aquitaine, c'est tout cuiron! Attention, Daniel Center pour Dundee qui t'appelle! Et 73 Scooby-Doo, ça fait un moment que je t'avais pas entendu. Et quoique, j'étais pas trop en fréquence en ce moment. Je prenais plus la moto là ces derniers temps. Ouais, j'étais sur Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille. Ah oui, d'accord, tu étais parti te promener quoi, Hachi. Ah, t'as bien raison. Quand on peut en profiter, et puis en plus, quand on est payé pour ça, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien, oui. Ah voilà, j'arrive en bas du pont d'Aquitaine. Attention, Daniel Centaure pour Dundee qui t'appelle. Ah, il est en retard ce matin. Eh ben, quand elle est née, a plié sa jambe en arrière, et elle a plié aussi en avant. Alors, étant bébé, bon, comment ça s'est passé? Je vais trop vous dire, elle avait une attelle en journée, et puis réduque, et puis le temps que l'autre profite pendant, on va dire, un an, tout s'était remis en place. Et, ouais, on s'est remis en place jusqu'à maintenant, là, tu vois. Et apparemment, le ministre, là, il en a pris un sacré coup dans la gueule. Ok Daniel, je commence à désespérer. Hachi, les 73, comment vas-tu? Je sais pas où le temps de changer l'antenne. Je suis toujours avec la petite antenne là, René. Donc je sais pas si tu vous souviens. Moi je sens juste de décrire la famille. Là je suis juste encore dans le lotissement. Ben écoute, en ce moment ça va. Voilà. Le projet, oui, voilà. Il n'y a pas de souci, ça va. Ok, ben là j'arrive à la station essence là de la sortie 10 et ça passe bien, ça marche bien là. Ah, ok, hein. Je vois que t'avais la 7000 là. Quoi? Ça y est, tu l'as? Non, je te dis, j'ai la 7000 là, je reconnais sans bip. Ah oui, affirmatif, oui. Ah ouais, il a un bip assez particulier là, hein, donc. Puisque ça y est, là, mon frangin est venu me réinstaller l'électricité.
Donc c'est bon, là j'ai tout au cabanon, j'ai tout partout. Hein. Alors, retour. Ok, voilà, je viens de redémarrer là, du feu, là, de la sortie 10. Ok, d'accord, pour les bips du Roger Bip, tu en as 5 différents. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu l'idée de mettre le simple bip. Alors, bon, si ça te dérange, je peux l'enlever. Hein. Quand c'est que j'ai entendu ces bips là, Ah oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui en ont. Hein. En plus de ça, j'ai fait une petite vidéo là sur ce poste et il y a énormément de vues dessus. Hein. Il doit y avoir quelque chose dans les 900 et quelques vues sur cette vidéo. C'est carrément dans les débuts que j'ai eu le 7009. J'avais fait une petite vidéo de démonstration du 7009. Et voilà, c'est là, c'est hier, je me suis rendu compte de ça, du nombre de vues. Je me suis dit, ah ben bordel, bon, tant mieux. Hein. J'ai récupéré le plan des antennes là que qui c'est qui a mis ça. Je crois que c'est Bruno, ouais. Bruno de la de Forat là, qui a mis un plan d'antenne là que j'ai récupéré. Ouais, attends, je me gare. Ah ouais, t'es déjà arrivé. Ouais, voilà. Je suis sur le parking, là, je vais attendre un petit peu là, avant de rentrer. Hein. Ok, voilà. Ben, moi, je vais juste repasser la poudrerie, là. Rentrer dans la poudrerie, hein. Voilà. Ouais, j'ai pris un peu de retard, papa. C'est après que je me suis rappelé que tu reprenais aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui et vendredi, c'est ça, hein, que tu vas laisser comme SMS. Demain aussi, pareil. Aujourd'hui, demain, vendredi. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok, bon, on va pas en parler plus là-dessus. C'est tiens, en ce moment là, j'ai du matériel là en transit là au QRA là pour un OM. Alors attends, je sais pas, t'as connu la station Oxo là qui est de mon côté? La station Oxo, un OM, un vieux Oxo. Orion, c'est pas Orion, oui. Non, pas Orion, Oxo, qui est pas loin là de mon côté. Alors, pour la petite histoire, de toute façon, là on a tous les 73-51 de sa part. Et pour la petite histoire, sur le bon coin, j'ai un OM Didier 012, voilà, qui est tombé là sur une annonce, une station complète avec Alpha Lima, base, antenne, Mantova 8. Le tout à un prix assez intéressant. Et donc Didier 012 est tombé là-dessus. Et comme j'étais en même temps connecté sur le forum, il m'a envoyé un petit message, quoi. Ah putain, ça n'a pas mis longtemps, quoi. J'ai dit ok, il l'a contacté et tout ça.
Je l'ai contacté à mon tour et je suis de suite allé récupérer le matériel. Et là, j'ai, ben, j'ai une base Galaxy Saturn Echo. Oui, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne connaissais pas celle-là en tout cas. Plus Micro Sat Delta Master Echo Pro, je crois. Quelque chose comme ça. L'antenne Mantova 8. L'Alpha Lima BV131. J'ai tout ça là de stocker à la maison, mais en attendant que justement la Didier 012, 14 ODR 012 de mémoire, vienne récupérer ça quoi. Attends, j'ai un espèce de QRM ici, oh la vache. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme truc ici, mais j'ai un QRM électrique au secours, hein. Ça fait presque la mitraillette. Hein. Bah, c'est une vieille base qui date de 95. Putain, mais hey, attends, je suis en train de regarder l'heure. Oh putain, bah, il va falloir que je passe QRT. Tu as tout sur Facebook. J'ai fait une petite vidéo justement de démonstration de la base. Il y a les photos, il y a tout ça de mis sur le groupe. Ben moi non plus, mais j'ai des papiers avec, donc bien je peux rien dire de plus quoi. Et en plus de ça, j'ai scanné là tous les papiers, la notice qui est avec, je l'ai scannée. Tu trouveras tout sur Facebook. Allez, je suis en train de regarder à nouveau l'heure. Je te laisse. Les BAM 73, bonne journée, à demain matin. Ok, bonne journée à toi, bye, ça marche.